écrivain, comédien, membre de deux temps le plus important, qui travaille sur les questions numériques et les questions sociales et également sur les questions scolaires, sur les questions de l'école inclusive, on va dire, et également membre de l'Agora européen, qui est à tout temps de créer l'initiative de l'Agence nationale des systèmes de sécurité de l'ANSSI, sécurité des systèmes d'information. Et également, je suis expert auprès des institutions européennes sur la notion notamment de l'importance et de la plus-value de la prise en compte de la diversité cognitive dans les groupes humains en général, dans les secteurs liés à la high-tech également et également à l'école. Alors, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est sans doute surtout la publication de mon premier livre qui s'appelle L'Empereur, c'est moi, qui est un livre autobiographique, dans lequel j'ai raconté notamment mon enfance et il y a de grands chapitres sur ma scolarité. Et je me suis plutôt trouvé dans la position du harcelé scolaire, étant donné que je fais partie de ceux statistiquement à qui ça peut davantage arriver que les autres, donc à savoir les populations dites neuro-atypiques, étant donné que j'ai eu un développement atypique par rapport à la norme en général du genre humain, à savoir un développement tardif du langage, entre autres plein d'autres choses. Je fais partie plutôt de ceux qui pensent que la phobie scolaire n'est pas finalement réellement une maladie, mais plutôt que c'est notre système qui est malade. Je crois plutôt que ce n'est pas ces profils qui sont en échec scolaire, mais que c'est l'école qui est en échec face à ces profils-là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient qui ont des capacités d'apprendre et que le système va rejeter, que ça va perpétuer un grand gâchis humain, un grand gâchis financier, avec toutes les conséquences d'accompagnement spécifique que ça va devoir avoir sur des profils qui auraient pu évoluer plus favorablement dans un environnement moins malade. Il suffit aussi pour ça de prendre les chiffres, de regarder au niveau de la lunette internationale et de regarder, par exemple, qu'il y a des systèmes où, par exemple, les populations autistes évoluent beaucoup plus favorablement. Si on regarde, par exemple, les chiffres en matière de scolarisation, on va voir qu'en France, on a à peu près 20% de scolarisation des enfants autistes, en tout cas de ceux qui sont détectés en tant qu'identifiants mentaux. Et si on compare à d'autres pays de l'Union européenne, alors on dit 20%, il faut savoir qu'on compte, y compris les temps scolaires, en ridicule, à savoir 2 heures de temps scolaire par semaine, où on va sortir de temps en temps ces êtres bizarres qu'on a isolés dans des instituts spécialisés où ils n'apprendront rien. Si on compare à la Suède, par exemple, qui a traité différemment la question depuis les années 80, on arrive à des taux de scolarisation de l'ordre de 80-90%, où ces profils vont évoluer davantage favorablement. J'ai également eu l'occasion aussi, très souvent, au cours des conférences, de le vérifier de manière empirique. Il m'est arrivé, par exemple, il y a peu de temps, de rencontrer une Finlandaise qui avait un fils dyslexique et un fils autiste. Et elle me dit, voilà, autant vous dire qu'il y en a qui ne tiennent pas en place pendant 8 heures sur leur chaise. Et en même temps, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que l'intention ne peut difficilement se maintenir entre 8 heures par jour sur une chaise. Or, c'est ce qu'impose notre système à l'ensemble des élèves. Et donc, cette maman me dit, bon, j'ai épousé un Français et je suis venu vivre en France. Alors, quand j'étais en Finlande, mes enfants, je suis allé à l'école et j'ai expliqué leurs spécificités, ça n'a posé aucun problème, on les a pris sans poser de questions et on ne les a pas mis dans un coin, mais au contraire, on a fait avec des supports, des outils pédagogiques différenciés, ils ont pu accéder à la connaissance et être dans le groupe avec tous les autres. Quand je suis arrivé en France, j'ai dû passer devant une commission inclusion qui devait décider si mes enfants étaient dignes d'être à l'école ou pas. C'est ça qu'on appelle l'école inclusive en France. Je dis au passage que dans une école réellement inclusive, déjà, il n'y a pas de commission inclusion à l'entrée qui décide si vous rentrez ou pas. Ça, c'est dans les comités de surveillance. Bref, je pourrais continuer pendant des heures comme ça sur le plan didactique, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais plutôt vous faire partager mon expérience dans mon livre, qui, j'en suis très heureux, rencontré un certain succès, puisqu'il a été traduit dans une dizaine de langues, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en tchèque et en grec également l'année dernière.
qu'il a eu un prix européen d'ailleurs cette année. Il a rencontré à peu près 100 000 lecteurs et on voit à quel point cette question est universelle, la question du décalage par rapport à un mood, par rapport à une norme et toutes les conséquences que ça va impliquer. Donc je vous ai sélectionné quelques chapitres aujourd'hui que je vais partager avec vous de mon vécu et donc vous faire rentrer dans le vécu d'un enfant qui se trouve en décalage très très profond avec la norme compte tenu de son développement, qui est un développement atypique, et du parcours. D'ailleurs, ce livre a été adapté deux fois également en théâtre aussi. Et j'ai eu le plaisir de jouer également sur scène dans une adaptation pendant ces 20 dernières années. C'était d'ailleurs une coproduction de la scène nationale de Cherbourg. C'est pas très loin, c'est pas à côté, mais c'est pas très loin. Grande maternelle, chez les grands, comme ils disent. Avant, j'étais chez les petits, ensuite chez les moyens, et maintenant, je suis chez les grands. Ce n'est franchement pas très compliqué. Pourtant, je suis toujours aussi petit, et les autres sont toujours aussi stupides. Mes camarades, mes petits camarades, je vous hais. Je suis prisonnier de mon corps, et si je parle, je serai prisonnier de vous autres, à perpétuité. Je préfère vous en observer sans en avoir l'air. Je vous espionne. Si mes yeux sont les fenêtres de l'âme, comme m'ont dit mes parents, je pourrais voir la vôtre. Mais ça m'obligerait à vous dévoiler une partie de la mienne. Vous ne verrez pas mon âme. Vous voyez mon corps, et c'est déjà trop. Mon corps ne sera qu'une pierre tombale, un mur. Je ne vous donnerai rien. Je n'aime pas votre monde. Je ne peux rien faire, rien décider. Si je marche, je suis obligé de me suivre. Suivre ces consignes sans fondement. Rentrer dans le rang, deux par deux, et en plus, il faut se tenir la main. Obligé d'abandonner mes pensées, mes images, mes rêves. Je refuse de troquer mes rêves contre vos sourires et vos bonnes appréciations. Je ne veux pas être meilleur que vous en quoi que ce soit. Je m'en fous de vous, de la maternelle, de la kermesse et de vos concours de foire. Je ne serai pas votre ami, encore moins votre valet. Vous voulez que j'ouvre la bouche? Que je répète les âneries que vous me dites à longueur de journée, comme les autres enfants, comme un perroquet? Je comprends tout ce qu'on me dit, et je n'ai pas besoin de vous démontrer. Je n'ai rien à vous dire, rien à vous prouver. Ma bouche ne s'ouvrira que pour vous mordre. De toute façon, mes dents sont pleines de tartre parce que je ne mâche pas. Elles sont moches et elles sentent mauvais. Vous voulez toujours que j'ouvre la bouche? Surtout, mettez-moi l'isolement, à l'écart. Personne dans mon cachot. Quitte à être prisonnier, je préfère être maître de ma salle. Je serai mon propre geôlier. Je suis le seul à avoir les clés et je ne vous donnerai pas les codes. Va jouer avec tes petits camarades, qu'ils me disent. Pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes petits camarades? Question idiote, réponse simple. Quand on les lâche dans la cour, les grands embêtent les moyens qui embêtent les petits qui, eux, n'ont personne à embêter. Alors ils attendent patiemment l'année prochaine pour passer chez les moyens et embêter les petits qui arriveront après. Les grands, eux, sont les rois, mais ils ne savent pas ce qui les attend l'année suivante. L'année prochaine, ils seront à nouveau les petits. D'ailleurs, tout roi qu'ils sont, ils ne sont pas autorisés à aller dans la cour à côté. Beaucoup trop dangereux. Il y a les CP, les CE1 et les CE2. Là-bas, c'est la même chose. Ça recommence sur trois niveaux aussi. Je les ai observés de loin. Vraiment pas très compliqué à comprendre. J'ai vu des documentaires à la télé. Chez les animaux, c'est pareil, sauf qu'ils s'entre-dévorent. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Et les maîtres, qui discutent tranquillement dans un coin de la cour, ils voudraient que j'aille me mêler à tout ça. Non, je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie d'aller jouer avec mes petits camarades. Ça ne sert à rien. Une fois, je me suis dit que ce serait intéressant de faire autrement. Je suis maintenant un grand. Je pourrais m'associer avec les petits, les regrouper et en faire une armée de résistance face aux moyens et aux grands qui deviennent de plus en plus idiots et incontrôlables. On attendrait qu'ils se dispersent. De toute façon, ils ne se déplacent jamais par groupe de plus de 4 ou 5. Juste des petites bandes, sans envergure ni organisation. J'ai repéré les clans. Je sais exactement qui s'aime bien et qui ne s'aime pas. Je ne connais pas tous les noms, mais je me souviens de leur visage. Ils sont tous fichés dans mon esprit, sur des petites fiches Bristol, exactement comme celles qu'on utilise en classe.
Avec les petits, j'organiserai les troupes. Je nommerai des chefs, des sous-chefs. Je connais par cœur les grades de l'armée. C'est mon grand frère, pilote d'avion de chasse, qui me les a énumérés. Je lui ai même demandé de me les écrire sur une feuille de papier. Pour gagner, il faut de la rage, mais pas de précipitation. Après avoir élaboré un plan d'état-major, on attaquerait l'ennemi par surprise. Mais attention, discrètement et par petites vagues. J'ai déjà noté les endroits de la cour où on peut tendre des embuscades sans se faire repérer par les maîtres. On utiliserait des appâts pour attirer l'ennemi. Il y a des morceaux de bois dans la cour. Il y a des stylos, des règles, tout ce qu'il faut pour se fabriquer des armes. Je l'ai vu dans la guerre des boutons. À plusieurs, on peut aussi prendre un grand pour taper sur un moyen, ou l'inverse. On les éradiquerait petit à petit. On les emprisonnerait et les moins bêtes finiraient par rallier notre cause. Il pourrait aussi y avoir des espions dans le camp adverse. On simule une évasion. Le faux évadé rejoint le camp ennemi et nous donne des informations. Mais gare aux agents doubles. Cependant, je suis convaincu que ces agents n'auraient pas grand-chose à nous apprendre vu que ces sales gosses sont incapables de la moindre stratégie dès qu'ils sont plus de trois. Ça aussi, j'ai observé. Mais attention, ne jamais sous-estimer son ennemi. Tous les bons gros guerriers vous le diront. Rien que pour en arriver là, et sans que ça se voie, il y en a au moins pour des mois, peut-être même de quoi s'occuper toute l'année. Sans compter qu'il faudrait régler ensuite la question des CP, des CE1 et des CE2. Plus coriace parce que plus grand, mais pas vraiment stratège non plus. Je les ai observés aussi. Mais pour en savoir plus, il faudrait que je lance un travail d'espionnage approfondi à leur sujet, tout en menant parallèlement la guerre des maternelles, afin de gagner du temps. Leur cour est plus grande. J'ai donc spécialement imaginé pour eux une stratégie d'attaque avec des vélos et de grandes tiges en bois, façon tournoi du Moyen-Âge, rapide, efficace, ils ne verront rien venir. Je ne sais pas faire de vélo. Mais les autres savent. De toute manière, je ne peux pas prendre le risque inconsidéré de m'exposer au combat. Juste un peu au début pour motiver les troupes, mais c'est tout. La parade, d'accord, la crainerie au risque de tout perdre, non. Je dois rester sous bonne garde, avec une escorte d'élite, afin de commander les opérations en toute tranquillité, car sans moi, ils n'auront plus de tête. Finalement, après la victoire totale, tous les élèves de l'école seront derrière moi. Ce sera mon armée. Ensuite, il n'y aura plus qu'à s'occuper des maîtres. Ils sont grands, mais si on les attaque tous à la fois et par surprise, nous ne pourrons rien faire. Quand ce sera le bon moment, je lancerai le signal. Il faut frapper quand ils sont regroupés, pendant la récréation, pour qu'aucun d'entre eux n'ait le temps de sortir de la cour. Certains de mes soldats garderont les issues pendant l'attaque finale jusqu'à la victoire. Après avoir vaillamment remporté de nombreuses batailles, voici que nous aurons gagné la guerre. Et là, je deviendrai le général en chef de l'école. Mais ce n'est pas fini. Après l'école, ce sera la France. Après la France, le monde. Et ensuite, l'univers. Voilà comment on peut gagner une guerre contre les grands et les très grands avec le ralliement des petits. Alors, vous voulez vraiment que j'aille jouer avec mes camarades? Ou vous préférez que je reste le plus sage de l'école avec mon 10 sur 10 en conduite? Leur jeu ne me laisse pas d'autre choix que de devenir un dictateur. Ce sera comme ça aussi après l'école. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, car je ne vous montre pas mes yeux. Mais je vous préviens, si jamais je joue, ce sera avec mes règles. Attaquer un petit tout seul, dans un coin, sans aucune raison, ça ne m'intéresse pas. Je déteste les enfants, ainsi que leur jeu violent et dénué de sens. Aucun intérêt, nul. D'ailleurs, je me déteste moi-même. Les autres bougent tout le temps. Ils ne pensent qu'à crier. Ils ne veulent rien savoir de la Terre et du cosmos. Tant pis pour eux. Et pourtant, il paraît que c'est moi qui ai un problème. Mon problème, c'est vous. Alors, bon, ça a continué un petit peu après, de manière un peu chaotique, vous l'aurez sans doute deviné. Nous arrivons maintenant au CE1, au cours élémentaire. Dans un chapitre qui s'appelle « Attention, danger public ». Ah oui, si j'ai oublié de préciser, j'étais à l'école publique. Elle est petite, nerveuse, et elle crie tout le temps. Son visage est crispé, ses yeux toujours sur le point d'exploser. Sa voix est stridente et métallique. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour irriter mes oreilles, et je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Ou disons que je ne veux pas comprendre. Je refuse catégoriquement que sa voix pénètre mon cerveau. Je l'entends, mais elle n'ira pas au-delà de mes oreilles. Je me souviens très bien de sa voix, mais je serais incapable de restituer la moindre phrase qu'elle a dite. Mes tympans ne l'aiment pas, je ne l'aime pas, elle ne m'aime pas non plus. Je pense d'ailleurs qu'elle n'aime personne, en tout cas pas ses élèves. Elle n'est rien d'autre pour moi qu'une agression sonore permanente que je m'efforce de noyer dans un océan d'indifférence. Je dois passer 8 heures par jour avec elle dans la même pièce. Je vous présente Madame C, l'institutrice. J'ai 7 ans, et je suis en CE1. 7 ans, l'âge de raison comme ils disent. On me l'a sorti au moins 100 fois depuis mon anniversaire, cette histoire. Je l'entendrai toute l'année. Ils me l'ont tous répété, à l'école comme ailleurs. Tu as 7 ans, l'âge de raison, c'est bien. En
effet, c'est génial. Pourquoi 7 et pas 8 ou 6 ? Ça, ils ne me le diront jamais. L'âge de raison, c'est 7 ans, ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont avec la raison ? Auraient-ils tous perdu la valeur ? La raison qui domine, c'est toujours celle du plus fort. Ça, je ne le sais pas encore. Pourtant, mon père me l'a dit en me citant une phrase de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Côté pratique, je l'apprendrai à mes dépens, bien sûr, à l'école. Je me souviens notamment, en sixième, d'une professeure affirmant avec une certitude inébranlable devant sa classe « Vous savez bien que le professeur a toujours raison. » À ce moment-là, j'ai compris. À ce moment précis, tout le monde sait qu'elle a tort, mais elle a raison. Raison, parce qu'elle a le pouvoir. Voici une des choses fondamentales que j'ai apprises à l'école. La raison, le pouvoir et la force sont un trio indissociable. Si on en enlève un, ça ne marche pas. À 7 ans, on n'a ni force ni pouvoir, alors 7 ans, l'âge de raison, c'est la connerie. Mais c'est bien, continuez de le dire afin d'entretenir vos enfants dans ce mensonge si doux. C'est comme de croire au Père Noël, ils sauront bien assez tôt que ce n'est pas vrai. Raison, force, pouvoir. Pourquoi n'écrit-on pas ça à l'entrée de chaque collège, lycée et école primaire, ou encore de chaque mairie, ministère, palais de justice ou bâtiment officiel ? Ce serait tellement plus proche de ce qu'on y trouve que ce pieux mensonge chimique, liberté, égalité. Liberté, égalité, fraternité. Je n'ai rien appris de tout cela à l'école de Jules Ferry. Vaste mensonge politique inculqué dès l'enfance. Bref, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans et je dois composer avec Madame C. Évidemment, puisque 8 heures de temps quotidien, ça n'en suffit pas, Madame C, comme tous les soirs, nous dicte l'énoncé du devoir pour le lendemain. De mémoire, ce soir-là, ça donne à peu près ceci. Trouvez, soulignez le complément d'objet direct ou indirect que vous remplacerez avec l'adjectif qualificatif dans la proposition juxtaposée que vous aurez préalablement encadré par la proposition subordonnée dans la phrase énoncée. À l'école de M. Jules Ferry, c'est ce qu'on appelle un exercice de français. Il est 21h à la maison, nous sommes à table en famille et même mon père, grand cancérologue, éminent professeur de médecine et chercheur diplômé de je ne sais combien d'universités et bardé de je ne sais combien de prix et reconnaissance en tout genre, n'a pas compris l'énoncé. J'ai très peur. J'ai peur parce que je sais que si je ne fais pas l'exercice ou si je le rate, Madame C criera encore plus fort et me punira. Je n'ai encore jamais été puni. Je ne souhaite pas que cela m'arrive. Je suis certes un élève distrait, moyen et souvent hors sujet, mais en conduite, j'excelle. 10 sur 10. Toujours, il faut croire qu'en cette matière, l'indifférence, ça paie. La peur est la matière que l'on enseigne le mieux à l'éducation nationale. La peur, la compétition et la soumission, le tout noté sur 20. Mon père rédige en anglais le texte un mot qui, contrairement à l'énoncé, a le mérite d'être très clair. Ce mot explique en trois lignes la raison pour laquelle mon devoir ne sera pas rempli. Je me dis qu'ainsi, je ne risque rien que Madame C comprendra. Lendemain, 9h, comme tous les matins, passage en revue, inspection générale. Chacun son tour, on doit se lever, marcher jusqu'au bureau et présenter son exercice à Madame C. Quand Madame C n'est pas contente de ce qu'elle trouve, elle jette le cahier à la figure de l'élève qui le ramasse et retourne à sa place. Ce matin-là, tous les cahiers y passent. Manifestement, personne n'a compris l'exercice. Arrive mon tour, j'appréhende la réaction de Madame C. Mais je me dis que le mot de mon père me protégera. Je pose doucement mon cahier sur son bureau. Elle lit le mot. Je la vois devenir rouge. Et d'un seul coup, des jets d'insultes stridents sortent de sa petite bouche pincée et sèche. Mon cahier vole. J'aurai droit à un supplément de joie. La brosse en bois qui sert à effacer le tableau rase ma tête. Après que j'ai ramassé mon cahier et regagné ma place, elle continue à hurler en jetant des craies. Ce que je pressentais depuis le début arrive. Je suis maintenant, officiellement, le souffre-douleur de Madame C. Madame C n'aura pas droit à mes larmes. Je me souviens qu'à ce moment précis, je me mets intérieurement à maudire mon état d'enfant. Je m'imagine adulte, lui envoyant cahier, brosse en bois et craies au visage. La moindre des paroles que je vous avais adressées, Madame C, était une erreur de ma part, car une grossière perte de temps et d'énergie, vous n'en valez pas la peine. À ce moment précis, je me meurs. Il est temps de reconsolider mes remparts et de lever les armées. Je vais les épaissir et rebâtir immédiatement une tour si haute et si solide que je ne vous verrai même plus, Madame C. Les murs seront si épais que vous pourrez toujours vous époumoner en criant de toutes vos forces. Je ne vous entendrai pas. Et ma tour sera tellement haute que son sommet transpercera les nuages et que vous disparaîtrez. Je vais fermer tous les ponts et les meurtrières que j'avais commencé à ouvrir peu à peu. De ma tour, vous ne verrez dépasser que le bout des canons et la pointe des flèches noires de mes archers. Et derrière eux, je vais encore ajouter des catapultes, des arbalètes prêtes à jeter des projectiles enflammés. Et lorsque mon pont-levis s'en trouvera, ce ne sera que pour lâcher des meutes de chevaliers fous juchés sur des destriers enragés aux armures sanglantes, accompagnés de dragons enflammés et sanguinaires. Fort heureusement, ma mère ne me laissera pas reconsolider les fondations de ma tour. Quelques jours après, j'intégrai une autre école avec une classe unique pour le restant de l'année. Bon vent.
Quelques jours après, Madame C partait en congé de maladie longue durée pour dépression nerveuse. Voilà comment, à 7 ans, l'âge de raison, il s'en fallut de peu pour que je devienne un être de haine en vivant dans la souffrance. Bon, tout ça, c'était l'échauffement. Maintenant, on va passer à ce qui est vraiment intéressant. Le collège. On va commencer le chapitre de cette partie de ma vie que j'ai intitulée « Les années noires » par un chapitre qui commence de la résistance à la collaboration. Une page se tourne, fin du chapitre, début d'un autre, le collège. Fini l'école du village, j'étais un grand en CM2, voilà que je vais redevenir un petit en 6e. Ça se décline sur 4 niveaux en nombre décroissant jusqu'à la 3e. En fait, plus le chiffre diminue, plus tu deviens grand. Notre instituteur nous a prévenu. Attention, à partir de l'année prochaine, on ne vous fera plus de cadeaux. Il ne croyait pas si bien. Durant les grandes vacances, je savoure mes derniers instants de tranquillité. Instant trop court, nous sommes déjà fin août. Maman m'a proposé de m'inscrire au collège, rallié à notre secteur, c'est-à-dire celui que dessert le bus scolaire. C'est plus simple, et comme ça, on n'aura pas besoin de m'accompagner à la ville, qui est à une douzaine de kilomètres. C'est mieux pour maman, et c'est mieux pour moi. Je ne veux pas être attrapé. Ma mère nous emmène, ma sœur et moi, dans une grande surface. Il faut acheter des fournitures scolaires. Ça sent bon, le neuf et le changement. Je suis assez excité à l'idée de changer de vie. Je déchante vite. Une fois de retour à la maison, tous les livres, stylos, classeurs et cahiers glissés dans mon nouveau cartable, je peine à soulever. Ma mère le pose sur la balance de la salle de bain. 14 kilos. Moi, j'en pèse 40. Je me suis longtemps demandé pourquoi, à l'ère de l'ordinateur, du virtuel et de la dématérialisation, on force les jeunes écoliers à porter un sac pouvant atteindre, pour les plus chétifs, jusqu'à la moitié de leur poids. Je pense aujourd'hui avoir trouvé la réponse. C'est de l'ordre de la volonté politique. Il s'agit de casser la jeunesse afin de l'empêcher de se révolter. Ainsi, elle apprend malgré elle à courber les chines sous le poids des devoirs et de la culpabilité. Voici ma nouvelle routine. J'ai peut-être mes petites habitudes et mes rituels, mais je hais la routine. 6h45, fin du rêve, le réveil sonne. 7h30, je suis touché, habillé et mon petit déjeuner est englouti. Ma mère m'accompagne à l'arrêt de bus. Quand c'est l'hiver, on y va en voiture. Arrivé à l'arrêt, je sais qu'une fois de plus, je suis dans l'erreur. Les autres enfants sont venus seuls. L'hiver, leur regard essaie de transpercer la buée sur les vitres de la voiture. Je souhaite intérieurement que cette buée se fasse de plus en plus épaisse pour ne plus les voir. Je sais que dans quelques minutes, je devrais sortir pour rentrer dans une autre cabine plus grande où je serai enfermé avec les autres. Je profite de ces derniers instants enfermé dans la cabine de buée avec ma mère, une des seules personnes au monde qui m'aime. 7h45, le bus arrive. Même s'il y a de la buée sur les vitres, je n'embrasse surtout pas ma mère devant les autres. J'ai bien compris que sinon, on me le ferait payer. Alors je lui serre juste discrètement la main vers le levier de vitesse. Petite pression pour qu'elle me transmette son énergie. À 11 ans, je sais maintenant que toute marque d'affection visible est indécente et répréhensible. Je dois être un robot, une machine de guerre. Ça, ce n'est pas ma mère qui me l'a appris. Je l'ai compris moi-même et je l'applique. Je sors de la voiture. J'ai mon cartable de 14 kilos sur le dos. Il me fait mal. Je ne dois rien laisser paraître de la difficulté. Je le porte en me tenant bien droit. Je suis fort. Je me suis entraîné tout l'hiver en coupant du bois avec mon père. J'ai des tonnes et des tonnes de stères de bois à mon actif. J'ai fendu, j'ai soulevé des bûches bien plus lourdes que ce malheureux cartable. Je monte dans le bus. Les enfants sont décidément devenus de plus en plus bêtes, futiles et bruyants. Sauf qu'ils sont plus costauds. Les cris résonnent durant tout le trajet, sur le bruit de fond du tube du moment. La radio est toujours branchée sur la même fréquence, celle de la débilité des supermarchés. Un petit groupe dominant m'a clairement identifié comme étant le mec un peu bizarre. Celui qui n'est pas dans le moule, celui qui ne se soumet pas à leurs lois, celui qui affronte leurs regards, celui qui ne s'écrase pas devant leur petite milice. En somme, l'homme à abattre. La fête commence. Je subis ma séance de torture quotidienne, 2 fois par jour, aller et retour. Baisse les yeux, ils me disent. Je ne réponds rien et je regarde leur chef droit dans les yeux. Il me gifle. Je relève la tête et je lui lance mon regard le plus noir et le plus meurtrier. J'ai appris à regarder les personnes dans le fond de leur âme tout en acceptant de leur livrer un peu de la mienne en échange. Ça a été très dur. Et maintenant, quelqu'un me demande de baisser les yeux, jamais, plutôt mourir. Tout le bus baisse les yeux devant cette petite bande, pas moi. Et pourtant, je suis seul, je n'ai ni gang ni armée. Mon armée est imaginaire, elle se dresse derrière moi, prête à écraser ces petits dictateurs, ces petits chefs. Baisse les yeux, fils de pute.
Je canalise toute ma fureur dans mon regard, deuxième gifle plus fort que la précédente. Je les transperce des flèches de ma haine et de ma colère. Mes yeux leur jettent des éclairs. Ils sont deux poignards acérés. Je les fusille du regard et je garde la tête haute. Troisième gifle. Je ne me soumettrai pas. J'ai envie de leur sauter à la gorge, de leur extirper la glotte avec les dents, de leur broyer les testicules et de les arracher pour ensuite leur jeter au visage. Et pourtant, je ne le fais pas. Je ne frappe pas. Toujours, j'évite la bagarre. Je sais que si je me bats, c'est pour tuer. Ils voient bien que de me donner des ordres, ça ne sert à rien. Ils ne supportent pas mes yeux de défi, alors ils m'empoignent par la nuque, me forçant ainsi à baisser la tête sous leur crachat. De l'autre main, ils me froident vigoureusement le crâne. Ça s'appelle un shampoing. Ils le font chacun leur tour. Je suis devenu leur jouet favori. Quand ils me lâchent, mes yeux de braise continuent d'affronter leur regard bourvin, assoiffé de violence et d'humiliation. Je ne lâcherai pas une arme, pas un cri. Rien. Alors ils préfèrent m'attaquer dans le dos en me faisant des pichenettes durant tout le reste du trajet sur le lobe de l'oreille. Dit comme ça, une pichenette, ça n'a l'air de rien, mais à répétition et fait avec vigueur, c'est très désagréable. J'attends patiemment la fin de ce calvaire, rêvant secrètement d'un champ de bataille où je prends leur tronc à des crocs de boucher après les avoir démembrés. Leur tête vive encore. Évidemment, je ne les achève pas afin qu'ils contemplent le spectacle sanglant de leur corps mutilé. Une fois qu'ils auront bien regardé, je leur traîne les yeux. Ces trajets infernaux dureront plusieurs mois. Aller et retour, introduction et conclusion de mes journées de bagne. Un soir, ma mère voit du sang couler du lobe de mes oreilles. Elle me demande si quelqu'un tire dessus. Je dis que non. J'en ai assez d'être un problème. Je ne suis pas une victime. J'ai pas besoin de toi ni personne pour me défendre contre ces brutes. Quand je serai assez grand et fort, je les tuerai tous. Je ne veux plus être protégé par qui que ce soit. Les soirs passent encore. Comme je ne marche pas très vite à cause de mon cartable trop lourd, les places sont souvent prises à l'avant. Je me retrouve donc dans les rangs intermédiaires où m'attend impatiemment la bande de mes joyeux tortionnaires. Pas une seule fois je ne baisserai le regard. Un soir, n'y tenant plus, je rédige une lettre au président de la République. Je lui fais part de l'état d'esprit déplorable et de la violence qui règne dans mes transports scolaires. Je le somme de venir lui-même constater les faits ou bien d'envoyer un de ses ministres sur le champ. Je tends le brouillon de ma missive à ma mère. Maman me propose une autre solution. Elle trouve le numéro de téléphone du meneur de la bande et l'appelle directement à son domicile pour qu'il cesse ses agissements. Les trajets qui suivront seront plus calmes, mais le répit sera de courte durée. Le lynchage reprendra avec d'autant plus d'acharnement qu'ils veulent me montrer qu'ils sont les seuls maîtres à bord et que rien ne les arrêtera, et surtout pas un fils de pute. Je n'ai que mon regard de haine pour leur résister, résister encore et toujours. Ma mère décide alors d'alerter les autorités du collège. Je ne suis pas d'accord avec cette solution, mais son choix est fait. Après les convocations musclées dans les bureaux du principal, principal adjoint et conseiller principal d'éducation, leurs agissements cesseront instantanément, comme par magie. Évidemment, comme je l'avais prévu, les regards assassins et les messes basses remplacent les coups, les insultes et les crachats. On m'appelle Monsieur Oriot, on me vouvoie. J'ai dénoncé, j'ai donné des noms sur une liste. Maintenant, je suis un délateur. Tout ça parce que je ne suis pas foutu de me défendre tout seul en exterminant d'un seul coup cinq petites vermines. On me traite de faillot, de rapporteur, de mouchard. Je me déteste encore plus et je ne supporte pas cette nouvelle étiquette collée sur mon front, marquée au fer rouge. C'est vrai, maintenant je suis un collaborateur, un collabo, et moi qui voulais être un résistant. Lame de rasoir dans ma bouche. J'ai fait le calcul dans ma tête. Cinquième, quatrième, troisième, c'est l'équivalent de mon CE2, CM1 et CM2. Encore 3 ans à tirer. C'est long. Puisque je suis incapable de me défendre par les coups, je vais donc combattre par le langage. Les mots qui sortiront de ma bouche seront mon arme. Une arme redoutable. Ce sont eux qui me sauveront. Ce sont eux qui tueront. Parler pour tuer. Notre nouvelle professeure de français nous a expliqué la différence entre le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Moi, je parle le langage soutenu. C'est ce qu'on appelle placer la barre très haut. Les autres, eux, ne parlent aucun des trois. Ils parlent, je dirais, le langage grossier et vulgaire, en dessous du langage familier, à la limite de l'audible. Aucune prestance, aucune classe, rien. Juste une bouche pour crier et envoyer des jeunes insultes à tout bas. Quand je suis le destinataire de ces insultes, maintenant je réponds. Vous n'êtes pas digne de mon mépris. Quand j'en vois un cracher dans les couloirs, je lui dis... Économisez donc votre salive, vous en aurez besoin pour apprendre à parler. Souvent, quand je suis au CDI, lieu habituellement calme et silencieux, je raconte des histoires à un petit attroupement qui se fait de plus en plus nombreux et pressant autour de ma table. Même la responsable m'écoute avec attention. Je leur raconte ma vie. Je vis dans un grand manoir dont les toits d'ardoise transpercent les cieux. La bâtisse familiale domine royalement le village du haut de sa montagne. Je suis le seigneur des lumières.
Un des membres de mon auditoire, un grand troisième, m'interrompt. Si vous êtes le seigneur comme vous le disiez, moi je ne comprends pas ce qu'un seigneur comme vous vient foutre dans notre collège pourri. C'est une excellente question. Je suis venu ici afin de constater en personne l'état déplorable de ce collège. Je suis en ces lieux afin de partager avec vous la peine qu'endure la majeure partie des collégiens de France. Croyez bien que j'irai en rendre compte en haut lieu. Soyez assurés que si je m'emmène, les choses changeront pour un avenir meilleur. Ma détermination à régler ce problème urgent et sans équivoque, car si je ne le fais pas, qui le fera? Ma mère est convoquée peu de temps après par ma professeure de français. Madame, il y a un problème. Votre fils parle un langage soutenu. Ce serait bien qu'il cesse et qu'il se mette au niveau de ses camarades. Visiblement, elle a eu vent de ma petite déclaration au CDI. Là-haut, ça n'a pas dû leur plaire du tout. Ma mère me fait part de son entrevue avec la professeure. Elle est complètement abasourdie. Quant à moi, j'entre dans une colère noire. Moi qui travaille si dur pour parler au monde, voici que maintenant ils veulent me confisquer ma langue puisqu'elle ne sied pas à leur médiocrité. Eux qui osent prétendre nous transmettre le savoir, voici qu'ils veulent me réduire au silence par la censure. Preuve irréfutable que le projet de l'éducation nationale est d'écraser ces enfants sur une chape de plomb, de les formater en les étouffant dans le moule de l'ignorance et de la soumission. Non, je n'entrerai pas dans le moule. Non, je ne me soumettrai pas. Un jour, la professeure de latin m'a traité de petit prétentieux. Madame, aujourd'hui je vous réponds. Ce que vous appelez prétention, moi je l'appelle exigence. Exigence envers moi, exigence envers les autres. N'est-ce pas votre rôle en tant que grande prêtresse du savoir d'encourager ceux qui tentent d'échapper à la bêtise de la masse? Vous préférez les noyer dans un nuage de fange et d'immondices. Alors comme ça, vous voulez une grossièreté, un gros mot? Eh bien, j'en ai un tout près, spécialement pour vous. Je ne vous l'ai pas donné hier, mais dans l'élan de mon extrême générosité, je vous le donne aujourd'hui. Et vous voyez, comme je suis magnanime, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, je n'oublie personne. À toute la corporation des professeurs, proviseurs, sous-proviseurs, principaux et principaux adjoints qui ont toujours raison, je vous emmerde. Ah. Et un petit dernier pour la route, où là on est passé vraiment à une chose très sérieuse, la politique. Moi et la politique. Je vois bien que tout fout le camp. Hugo n'est pas assez menteur et dissimulateur pour trouver sa place parmi nous. Je me mets à observer les menteurs les plus en vogue du moment. La période est idéale pour ça, nous sommes en 1995, en pleine élection présidentielle. Je regarde tous les débats télévisés, je ne manque rien du grand feuilleton. J'observe les duels sanglants à coups de petites phrases assassines. Je note les mimiques, les gestes, les attitudes. J'évalue ce qui est bon et mauvais, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je répertorie avec soin les erreurs à ne pas commettre. J'essaie de voir à quoi ressemble un mensonge réussi. Je dois devenir un virtuose du mensonge, être encore meilleur, ou plutôt pire qu'eux. Finalement, je me dis qu'ils sont un peu dans la même situation que moi au collège. On ne les aime pas et ils méprisent tout le monde autour. Cependant, ils doivent réussir à engendrer un élan de sympathie massif à leur égard pour survivre. Sinon, ils meurent. Arrive le duel final. Jospin versus Chirac. Ça n'a pas loupé, le plus menteur des deux a gagné. J'avais d'ailleurs placé mes billes sur lui, en pariant secrètement en moi-même des milliards de dollars sur sa tête. Bonne pioche. Arrive le mois de septembre. Je suis en quatrième et j'ai un projet. Je vais prendre le pouvoir. Je suis trop jeune pour être président de la République et puis de toute façon la place est prise. C'est pas grave. Je vais me faire les dents en briguant le poste de délégué de la classe. Une campagne, ça se prépare. Je l'ai bien vu à la télévision. J'écris mon nom sur des feuilles A4 qui feront office de banderoles et d'affiches. Votez Oriot. C'est aussi bête que ça. Certains acceptent même de porter les affiches et de les montrer aux autres dans les rangs ou bien de les faire passer sous forme de tracts sous les tables en classe. Arrive le jour de l'élection. C'est pendant le cours de dessin. Ironie du sort, ce jour-là, il s'agissait de dessiner son nom sur la feuille. À l'école, jusqu'au bac, on m'a toujours appelé Julien, mon premier nom sur ma carte d'identité sur les listes. Il a bien fallu que je n'y ai coutume. Afin de supporter, je les laisse s'adresser à un mort. Comme ça, je ne suis pas là. Aujourd'hui, j'ai donc dessiné Julien le mort. Un serpent représente le J. C'est un serpent venimeux, sa langue fourchue dépasse. J'ai fait le plus beau dessin de la classe. Le professeur le montre à tout le monde et l'affiche au tableau. Mon œuvre funéraire suscite l'admiration générale. Je suis confiant, je suis prêt. Les autres prétendants au poste n'ont fait aucune campagne visible. Le professeur principal demande à chaque candidat de se lever pour annoncer, pour prononcer son discours. Je ne précipite pas, car je sais qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Je laisse balbutier les autres avant. Ils passent chacun à leur tour, en y allant reculons.
les yeux dans le vague, incapable d'aligner plus de 3 mots à la suite. Pitoyable, aucun panache, aucun charisme, rien. Intérieurement, je me marre, mais je ne laisse rien paraître. Entre chaque discours, mes voisins me tapotent sur l'épaule, me pressent d'y aller. Ils veulent entendre ce que j'ai à dire. Patience, patience. Je jouis intérieurement d'avoir su créer autant d'attentes de leur part. En politique, ça s'appelle de la communication. Ça y est, ils sont tous passés et pas un pour attraper l'autre. Piteux. C'est maintenant mon tour d'entrer dans l'arène. Je me lève. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet et mon pantalon bleu marine avec une chemise blanche. Je marche droit dans l'allée centrale. Mon cœur bat plus vite que le rythme lent et sûr de mes pas. Mes chaussures sont cirées. C'est l'heure du crime. Ça y est. Me voici devant le grand tableau noir, debout sur l'estrade. On entendrait une mouche voler. L'air est suspendu. Un léger murmure parcourt la classe. Un temps. J'englobe l'espace. Je me lance. Mes chers camarades, mes chers amis, vos attentes, je les comprends et je les ressens. La tâche d'un délégué n'est pas une chose aisée. C'est une responsabilité importante et capitale. Le délégué est celui qui agit et non celui qui délègue. Le délégué doit porter vos espoirs et vos attentes devant le conseil de classe. Le délégué doit se battre en permanence pour l'intérêt général. Et vos intérêts sont les miens, tout comme les miens sont les vôtres. Oui, je suis candidat pour porter cette lourde charge sur mes épaules. Et je fais ici le serment solennel que vos espoirs feront l'unique objet de ma croisade. Si vous m'estimez digne de votre confiance, alors faites parler les urnes afin que je puisse parler en votre nom. Tonnerre d'applaudissements, acclamation de mon nom, ovation de la foule qui brise soudain le silence tendu. Voici comment emporter les masses sans exposer le moindre programme ni la moindre idée. Ajoutez à cette harangue une pointe de populisme et vous obtenez un discours tout à fait présidentiel. Le vote commence dans une ambiance électrique. Je suis élu au premier tour par une majorité écrasante. 23 voix sur 31, plus de 70%. Je suis sans doute le délégué le mieux élu de toute l'histoire du collège, et peut-être bien plus encore, c'est une victoire totale. Je savoure mon triomphe. Toutefois, un peu déçu de ne pas avoir eu à affronter un adversaire à ma taille, les 5 autres candidats se partagent les miettes. Certains n'ont même aucune voix. C'est parce qu'ils ne se sont donné aucun mal. Ah oui, j'oubliais, il y a 2 places de délégués. Une fille est donc élue avec moi, celle qui récolte le plus de miettes, à peu près 5 voix. Elle arbore depuis des années les meilleurs résultats, avec 18 de moyenne. Elle a toujours été déléguée au fil des années, incontestablement la plus méritante et la plus légitime pour ce poste. Cependant, son discours a été terne, scolaire et sans vie. Mais les urnes ont parlé, même s'il y a 2 délégués, au final, le délégué, c'est moi. La verbe et le verbe, ça paie. J'ai su mettre en scène ma candidature et faire un jeu de cette élection. C'est pour ça qu'ils ont voté pour moi, mais ils ne savent pas encore. Ils se sont amusés là où ce n'était pas prévu, et ils m'en sont reconnaissants. Évidemment, ils s'imaginent que maintenant, je vais me préoccuper de leur avenir et de leurs petits problèmes. J'ai juste voulu me payer une tranche d'évasion sous les paillettes au sein même de ce qu'on appelle la vie scolaire. Moi, je dis la vie carcérale. Pendant que certains tentent vainement de commettre des attentats en brûlant des bouteilles de plastique au milieu de la cour, ne récoltant ainsi que des heures de colle, moi, j'élabore en toute impunité un putsch politique. Véritable pied de nez, aux yeux et à la barbe de tous. Mais je sais très bien que passé l'ivresse de la victoire, tout redeviendra comme avant. Je réussirai même à devenir le délégué le plus impopulaire qui ait jamais existé. En fait, je redeviendrai tout simplement aussi impopulaire qu'avant, mais avec un titre. Délégué. Délégué des cons. Délégué des cons dans la bouche de ceux qui m'ont élu, ce sera plutôt délégué à la con. C'est vrai que délégué, c'est vraiment un poste à la con. Aucun pouvoir, aucune légitimité, rien, même pas de voiture de fonction. Il faut se taper les conseils de classe. Je suis censé défendre ceux qui font payer tous les jours ma différence face à ceux qui me reprochent quotidiennement mon décalage. Vraiment merdique. De toute façon, à la fin des fins, tous ces faux débats mènent fatalement et toujours à la même conclusion programmée d'avance. Quoi qu'il arrive, le professeur a toujours raison. Bon vieux garde-fou pour protéger le plus fou. Je n'irai pas au terme de mon mandat. Ma mère me retire du collège en cours d'année. Je suis au bord de la dépression, à 2 doigts de rejoindre Julien dans la terre noire, enfermé à jamais. Peu de temps avant que ma mère ne me retire de ce sinistre endroit,
Une fille, manifestement un peu trop âgée pour être encore là, avait déclaré haut et fort « Ce type est incroyable. Tu le regardes dans les yeux et tu crois qu'il va te fusiller. Ce sera un acteur, j'en suis sûr. » Elle avait vu juste. Seulement voilà, j'étais devenu une machine de guerre tellement acérée que j'étais incapable de ressentir la moindre bienveillance que de rares individus me témoignaient. À ce moment-là de ma vie, je maîtrise la communication, mais je n'ai plus du tout d'ouverture. Ce n'est pas ici que ça s'arrangera. Plus tard, bien plus tard, j'apprendrai à desserrer les boulons. Qui compose
aussi une réelle spécificité, même si elle dérange, eh bien, je bloquais. Et donc, ça fait que pour un acteur, c'était très compliqué pour moi, parce que j'arrivais à être très bon, mais je n'arrivais pas à être génial. Pour un acteur, c'est très compliqué, c'est très limité. Et pour ça, vous avez besoin, pour avoir, une bonne pièce, c'est quand l'acteur il est très bon tout le temps et qu'il a trois moments géniaux. Voilà, il faut que ça se passe comme ça tous les soirs. Et ces moments-là, qui sont un peu les moments, en fait, pas vraiment où vous jouez, mais les moments où vous êtes joué, pardon, qui sont les plus beaux moments sur scène. Et bien, si justement, vous n'apprenez pas à desserrer, si vous avez muré toutes les choses qui composent une spécificité qui vous est propre, et bien, vous êtes bloqué. Mais ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour plein de choses. Le théâtre a tendance à être beaucoup plus violent avec cette mise en réalité, mise face à la réalité. Parce qu'au théâtre, vous ne pouvez pas tricher un peu. Et donc là, j'ai commencé, donc c'est l'écriture déjà qui m'a sauvé, le fait d'écrire. D'ailleurs, j'ai joué ce livre de théâtre pendant 3 ans, parce que finalement, c'est un livre d'acteur, ça raconte la naissance d'un acteur aussi. Pourquoi je crois en la nécessité d'adapter l'environnement, d'individualiser l'environnement scolaire, en l'occurrence, pour le maximum de spécificité possible, c'est qu'aucun profil atypique n'est heureux s'il est dans l'adaptation d'un système. Il va y arriver s'il arrive à adapter son environnement autour de lui. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, un créateur d'entreprise sur 3 est déclaré dyslexique. C'est pas pour rien tout ça. Parce qu'ils ont dû créer, ils ont été obligés de créer l'environnement. Alors le problème, c'est que maintenant, quand vous êtes dans une population neuroatypique, dans un contexte, une société qui est peu ouverte à ça, votre réussite va être vouée à votre capacité à entreprendre beaucoup plus que chez les autres populations. Donc, ce qui provoque une injustice sociale et un peu de déterminisme génétique par rapport à ça, quoi, mais à cause d'un environnement qui est hostile à ça. Donc en fait, je me suis mis dans une position où j'arrive à adapter mon environnement, je suis à la base de mes projets, et c'est comme ça que je vais, au fur et à mesure, trouver des voies d'épanouissement. Mais ça, c'est une question aussi qui est centrale dans le système scolaire. Aujourd'hui, notre système scolaire, notre école, mais disons-le franchement, elle n'arme pas, elle n'outille pas les citoyens pour le monde qui se prépare aujourd'hui. Cette question-là, de pouvoir individualiser les enseignements, de rendre l'école, c'est un terme très galvaudé aujourd'hui, mais de rendre l'école inclusive, il est indissociable de la réflexion systémique qu'on doit avoir à l'école, du changement systémique, on va changer notre système scolaire, parce que dans un contexte, notamment avec la révolution numérique, où 8 métiers peut-être de demain sur 10 n'ont pas encore été créés aujourd'hui. Dans ce contexte-là, on utilise encore des outils qui datent du début du siècle dernier de Jules Ferry. On évalue les compétences au sortir du système scolaire sur un examen qui date de Napoléon Bonaparte. Quelqu'un peut-il me dire que le système n'est pas malade? On est encore dans une école de l'adaptation, alors qu'on va faire une école de l'adaptabilité. C'est-à-dire qui permettent à des profils très différents de pouvoir interagir dans un environnement qui va changer en permanence. Or, on est encore dans une école de l'adaptation qui forme pour correspondre à un moule très précis, et lorsque vous êtes en dehors de ce moule-là, vous êtes marginalisé, ou mis en institution, ou on vous donne des médicaments pour pallier à ça, on met des rustines, quoi. On met des rustines et on crée ainsi un système qui est créateur de pathologies, de maladies, mais qui sont des conséquences en fait, sociales d'un système qui n'est plus adapté à son temps. Voilà. Donc pour répondre à votre question, en tout cas moi c'est quand je suis arrivé à adapter mon environnement à moi-même, et quand on remarque les exemples de personnes assumées, atypiques, qui arrivent à s'épanouir, elles ont toutes fait ça, elles sont toutes arrivées à avoir des environnements qu'elles ont adaptés à leurs points forts. Qui sont des points minoritaires par rapport à l'action générale, en général, alors pas fort, mais le problème c'est qu'ils vont être jugés en permanence sur leur faiblesse par rapport à une majorité. Merci. Une question. Bonjour. D'abord, merci pour votre livre, parce qu'il me parle, comme beaucoup, mais il me parle. Donc, merci. Justement, je rebondis un peu sur le système de l'éducation nationale. Vous êtes en train de travailler dessus. Clairement, on ne vous a encore pas demandé d'aide, réellement, enfin, en tout cas, à mon niveau, pas assez haut. Vous imaginez un plan sur combien de temps, et vous avez l'équipe derrière vous, parce que combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, alors, on a des miettes, je vous parle de... Alors, au niveau... Oui, alors, mais c'est vrai que je suis... C'est vrai que les politiques qui m'écoutent sont assez marginaux, on n'a pas beaucoup.
davantage écouté auprès des institutions européennes. J'interviens d'ailleurs à un forum, à un sommet européen ici qui est la semaine prochaine. Je suis intervenu récemment aussi dans d'autres trucs. Alors là, c'est plus lié à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, tout ça. Alors, maintenant, sur combien de temps bon, pour ça, déjà, il y a déjà des tas de choses qui existent. Il y a, par exemple, le rapport récent de l'ONU, qui est sorti cette année, ou en 2018, je ne sais plus. En 2019, je crois. Le rapport de l'ONU est sorti en 2019, en mars 2019. Et ce rapport, il est très clair. Hein. Il écrit noir sur blanc qu'il faut transférer les fonds alloués aux instituts spécialisés, on a parqué beaucoup de populations, vers l'éducation nationale. Rien que pour l'autisme, on parle de 7 milliards d'euros par an qui sont mis dans des instituts spécialisés qui ghettoisent ces profils-là. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes. C'est pas moi qui le dis une fois de plus. Hein. Je vous avance pas ces chiffres. Donc, quand on dit que vous entendez certaines associations vous raconter qu'il n'y a pas assez de moyens dans l'autisme, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Il y a une orgie moyenne qui est distribuée dans le mercat le plus total à des instituts qui ghettoisent ces populations. Donc le plan, je pense qu'il faut un plan réaliste. L'Italie, dans les années 70, l'Italie a amorcé ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. Ils ont fait ça dans les années 70, ils ont fait ça en 4 ans. En 4 ans, ils ont transféré les fonds à l'éducation nationale pour faire une école qui... voilà, que tout ça, ça se passe à l'école, en fait, et pas dans des classes séparées. Donc, après, oui, composer une équipe, où je sais très bien comment je composerai mon équipe, hein, parce que bon, seul et je connais pas mal d'experts aussi dans des domaines très différents, très variés. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais aucun problème à composer une équipe, en effet, à l'idée. Hein. Bon, je vous fais pas ma campagne de délégué. Hein, mais sérieusement, j'ai changé. Donc, ayez confiance. Sérieusement, j'ai beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses et qui sont très compétents chacun dans des domaines divers et variés. Il n'y a pas de gens qu'on est plein. On travaille ensemble sur des choses. Comme je vous disais, j'appartiens à deux think tanks également où on travaille sur ces questions-là. Et puis on essaie de se faire entendre, on envoie des notes, des choses comme ça. Après, évidemment, il est beaucoup plus facile de bâtir un système à partir de rien plutôt que de changer un système existant. Et surtout quand vous avez des histoires de gros sous, des enjeux tels, qui se comptent en dizaines de milliards, si on parle de toutes les ce qui est lié aux situations de handicap divers et variés, je peux vous dire qu'il y a un sacré lobby en face et que c'est un lobby qui a des moyens. Et c'est un lobby qui se finance avec notre argent à tous, hein, entre parenthèses, hein, c'est pas des privés là, sur ce coup-là. Donc mon plan il est prêt, voilà. En 5 ans on peut le faire, après il faut avoir les bons leviers, évidemment. Mais bon, voilà. Je n'ai pas encore franchi les grilles du château, hein, on ne laisse pas rentrer. C'est pas grave. Je continue à creuser un peu ça. Bonjour, j'ai une question sur le théâtre, sur l'activité théâtrale, comme j'avais média ou thérapeutique pour nos enfants neurodivers, parce qu'il faut dire plutôt neurodivers qu'atypique, si j'ai bien retenu. Oh, c'est pas moi la police du langage, madame. Je ne suis pas la police. Il y a la police du langage. Écoutez, moi je suis un écrivain, je suis un modèle de lettres, je suis pour la liberté des mots. Voilà. Alors, évidemment, il faut bien nommer les choses, mais bon, atypique, neurodivergent. Ça rejoint mon expérience personnelle. Enfin, mon enfant qui est en phobie scolaire, les premières années, continuait l'art et notamment le théâtre. Et comme il a une mémoire extraordinaire, il a appris les textes. Et il y a une année où, quand il a fait le spectacle final, les gens m'ont dit mais il faut qu'il aille à la télé, il est super, il joue très bien. L'année d'après, rechute en phobie scolaire, il a tout arrêté, phobie sociale, activité. Et là où je veux en venir, c'est que des professionnels m'ont dit qu'il ne faut surtout pas qu'il refasse du théâtre parce que. C'est pour ça que ça m'interroge. Parce qu'il joue un rôle, mais il se protège, il n'apprend pas à être lui-même, et notamment dans les difficultés. Aujourd'hui, il a 14 ans et demi, hein, c'était 11 ans quand il faisait du théâtre. Et des gens me disent, et lui me dit même, en français, j'arrive beaucoup à comprendre, il connaît par cœur tous les théories, les mécanismes, mais quand il faut parler de soi, des émotions, il ne peut pas, il bloque. Mmh. Ça m'interroge parce que je me dis, le théâtre, on peut le faire. Ça peut aider justement à développer ce qu'on est, à exprimer ses émotions, mais ça peut être aussi une armure pour se cacher encore plus. Enfin, c'est une question, j'ai pas de réponse. Hein. Oui, non, je. Très. Il aime faire du théâtre, il a envie d'en faire. Ah ben, il aimait et son père en fait, il a envie de faire comme son père. Et là, pour l'instant, il ne veut plus rien faire.
D'accord, mais je veux dire, à partir du moment où il a envie de faire du théâtre, où il ne faut jamais réprimer l'envie de jouer. Quand il a arrêté, c'était comme la phobie scolaire. Il voulait, mais il ne pouvait pas y aller. C'est exactement pareil. Mais il ne peut pas y aller parce que le psy a dit qu'il ne fallait pas qu'il en fasse ou... Ah non, c'était à l'époque, c'est parce qu'il angoissait, il avait la même somatisation, prise d'angoisse quand il arrivait devant la salle du théâtre. Bon, si ça peut le rassurer, tous les acteurs ont trac. C'était pas du trac, hein, c'était... Là, c'est oui, c'est d'angoisse, c'est les mots de la salle, bien sûr. Son chemin après l'adolescence, hein, mais ça m'a interrogé sur faut-il pas. S'il veut en faire, bon, et qu'il ait une angoisse qui l'empêche de le faire, il faut essayer de trouver, alors je ne sais par quel moyen, un moyen de surmonter cette angoisse, ou peut-être qu'il faut qu'il lui faut au début peut-être un cours plus individuel pour le théâtre. Qu'est-ce qui est l'angoisse? Est-ce que c'est la présence des autres? Est-ce que c'est le théâtre en soi? Comme il dit, je ne sais pas, c'est comme la phobie scolaire en fait. Donc c'est exactement. D'accord. Conscience que c'est un Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le groupe de théâtre dans lequel il y avait? Non, je crois pas. Non? Non, ça fait partie du mystère de ce multifactoriel, de pourquoi il y a cette. Alors, est-ce qu'il est angoissé du regard des autres? Est-ce que c'est le fait de faire une scène devant du monde? Si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait tester avec juste le prof de théâtre, son père, et pour travailler une scène comme ça. Est-ce que vous pouvez faire du théâtre de façon très petite? Enfin, je ne cherche pas de réponse pour mon fils simplement, voilà. Mais c'est la question derrière, c'est comme s'il y avait deux faces au théâtre, quelque chose qui est. Le théâtre est multiface, évidemment. Alors, après, je veux dire, le théâtre, évidemment, il ne faut pas perdre à l'esprit que. Pour moi, je veux dire, il faut. À la base, il ne faut jamais réprimer l'envie de jouer. Quelqu'un a envie de faire du théâtre, il faut qu'il fasse du théâtre. Bien sûr, après, si vous allez loin dans le théâtre, il faut avoir la tête bien accrochée. Le théâtre, ce n'est pas une thérapie. Le théâtre, c'est un métier, et c'est un métier dangereux. C'est un métier dangereux dans le sens où un rôle, à partir du moment où on le travaille, un rôle inévitablement, si vous travaillez bien, un rôle va toujours induire une métamorphose psychologique chez l'acteur. Parce que vous épousez ce rôle. Vous apprenez à son point de vue le rôle, vous ne pouvez pas le prendre en le jugeant. Si vous jugez un rôle, vous serez incapable de jouer. Vous devez y aller avec un regard et vous prêtez votre peau à ce personnage. Vous réveillez les morts au théâtre. Et si vous n'avez pas la tête bien accrochée par rapport à ça, si vous n'êtes pas pleinement conscient de ça, il faut faire attention. En effet, si on parle de ça. Maintenant, s'il a envie de faire du théâtre, il faut trouver un mec qui l'en fasse. Et alors, par contre, le psy qui vous a dit voilà, que c'était que c'est parce qu'il s'est joué un rôle, tout ça, bon, je veux dire, attendez, mais vous connaissez quelqu'un dans la vie qui ne joue pas un rôle pour se protéger? Vous avez déjà vu une entreprise où ça ne se produit pas? Vous avez déjà vu un groupe humain où ça ne se produit pas? Mais il fait ça, mais heureusement qu'il le fait, parce que s'il ne le fait pas, oui, il est mort. Donc, le psy, en fait, lui dit quelque chose que lui-même fait dans sa vie, le psy. Que tout le monde fait. Jouer un rôle dans sa vie, et voilà, il faut être conscient des moments où on le fait ou pas, pour ne pas se perdre dans ce rôle, pour ne pas être possédé par ce rôle, dépassé par ce rôle. Il faut apprendre à avoir conscience des moments où on joue, des moments où on lâche la bride, des moments où on va s'autoriser à ne plus jouer parce qu'on est avec une personne de confiance, avec une personne avec qui on n'a pas besoin de jouer. Ça, en général, ça s'appelle l'amour. Quoique, ça dépend. On peut se tromper des fois. Mais, voilà, il faut plutôt être conscient de ces moments-là. Mais le psychiatre, je suis très surpris. Enfin, non, je suis surpris. Bonjour, j'ai le sentiment que aujourd'hui, de plus en plus de parents ont capté le fait que l'éducation nationale n'apporterait pas l'environnement adapté à leurs enfants et sont pleins de désillusions. Et passent le cap de l'instruction en famille. On en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous aussi, vous êtes passé par cette étape-là? Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je suis. J'ai toujours été à l'école. Alors, après, j'ai connu un peu l'instruction familiale avant l'école, quand j'avais 3 ans. Parce que, comme moi, j'ai parlé très tard, vers 6 ans. 6 ans.
Ma mère avait bien compris que ça allait être compliqué à l'école où la majeure partie des supports communicationnels et la socialisation se fait par le verbe. Donc, elle m'a appris à lire, à compter et à écrire en un après-midi sur le mur de ma chambre en dessinant des lettres en couleur. Et sans le savoir, il n'y avait pas Internet à l'époque, tout ça. Elle a fait de façon instinctive de la synesthésie. C'est-à-dire l'association de lettres à chaque couleur. C'est comme ça que j'ai appris très vite. Et j'étais capable de lui restituer, de lui prouver le fait que j'avais intégré cet apprentissage, sans forcément parler, en montrant les lettres. Montre-moi le C, le A, le 1, réécrivez-moi. Et ça marchait en après-midi. Donc, ce qui m'a permis d'avoir le droit d'entrer au CP. Parce qu'au CP, quand je suis arrivé, que ma mère a amené son gamin qui est peu démonstratif, qui ne regarde pas les gens dans les yeux, qui ne parle pas, qui se balance sur sa chaise, bon bah forcément, le type, il n'en voulait pas de ce gamin. Il estimait que ma place était en institut spécialisé, où les gens disaient à ma mère, depuis 4 ans, c'est là qu'il faut le mettre. Donc, elle a dit, oui, mais vous savez, il a déjà le niveau. Votre débile de fils, là, il a le niveau. Oui, mais il m'a testé, vous regardez. Et donc, le mec m'a testé. Montre-moi le A, le C, le B, le A. J'ai fait un sans faute. Et là, le mec est très embêté. Parce qu'il est obligé de me prendre. Puisque j'ai le niveau qui sont déjà à la fin de l'année. Donc, là, mais je constate en effet ce phénomène. Je constate aussi que beaucoup de parents aussi se mutualisent des fois ensemble pour créer leurs écoles alternatives. Moi, je trouve que c'est la preuve, c'est un symptôme d'ailleurs très grave au niveau sociétal, parce que ça montre à quel point il y a une défaillance au niveau de l'école. Étant donné que je ne suis pas écouté de politique vraiment comme il faudrait et que je ne suis pas prêt d'être président de la République, je pense que ça va changer tout de suite. Donc, j'ai tendance à penser à un scénario que je verrais bien arriver. Bon, là, je fais un peu d'anticipation, donc je peux me tromper. Mais je crois qu'il va y avoir de plus en plus de projets d'écoles alternatives hors contrat qui vont germer, qui vont explorer des pédagogies nouvelles, différenciées. Et que finalement, en fait, le système va s'autodétruire lui-même, c'est-à-dire que les gens vont aller vers ces écoles-là même, les gens ne pourront pas des gamins neuro-atypiques, mais tout simplement parce que ce sera mieux. Et que ça va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va faire des écoles avec qui vont être au départ, avant tout, pour répondre aux besoins des populations atypiques, avec des supports pédagogiques différenciés, qu'on va aller regarder un peu en Suède, en Norvège, ce qui se passe, d'aller prendre les choses qui marchent, de faire de la recherche, regarder comment on peut transmettre la connaissance. Parce qu'évidemment, oui, le problème de notre école, c'est que, sous un principe égalitaire, elle affiche un traitement égalitariste et donc ségrégationniste. C'est-à-dire qu'on va dire, on ne va pas créer un support spécial pour une personne qu'on en a besoin parce que ce serait injuste pour les autres. Mais sauf qu'on ne peut pas transmettre une information, la même information, avec le même support à une personne qui ne voit pas, à une personne qui n'entend pas, à une personne qui est dyslexique, à une personne qui est autiste, à une personne qui est neurotypique. C'est tout simplement pas possible. Mais donc, on préfère, du coup, garder un système qui transmet l'information d'une certaine manière et donc, du coup, un certain type de population qu'on a estimé majoritaire va pouvoir la recevoir de manière plus ou moins bien. C'est finalement pas très efficace. Donc je crois que ce qui va se passer, c'est qu'en effet, qu'il va y avoir ce phénomène qui va s'accentuer des écoles parallèles qui vont se créer, et que ça va être tellement mieux que tout le monde va finir par progressivement mettre ses enfants là-bas, et que l'éducation nationale va être désertée et va se dégonfler comme ça. Alors, sauf que les projets d'écoles alternatives se montrent de plus en plus, mais l'éducation nationale ne le fait pas. Mais ça, on s'en fout. C'est-à-dire que... Vous savez, aujourd'hui, ça n'a aucune importance validée par l'éducation nationale. Le bac, aujourd'hui, n'a aucune importance. Aujourd'hui, on le voit bien dans les métiers nouveaux. Qu'est-ce que fait Microsoft aujourd'hui? Ils font l'école Simplon. L'école Simplon, il n'y a aucun examen d'entrée. Vous pouvez rentrer et vous êtes formé au métier de l'avenir. Si vous avez un bac plus 3 en je ne sais quoi, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir du boulot. Donc, être validé, on s'en fout. C'est juste une question d'argent. Alors, après, c'est une question d'argent. Voilà, c'est une question d'argent, une question de tout ça. Et je crois qu'après, il y a un nouveau système. Les gens vont se débrouiller, s'autogérer, faire des cagnottes, des machins. Enfin, je ne sais pas, mais bon, tout ce que permet de faire aujourd'hui notre époque numérique, qui nous permet de nous connecter beaucoup plus, de manière plus instantanée, vu que c'est un problème qui concerne tellement de gens, au bout d'un moment, quand on est monté, il y a une force de frappe très puissante qui peut se mettre. C'est tous les petits qui vont s'aligner pour faire face au monde et au très grand. Et il y a des révolutions qui se créent comme ça. C'est ça, les révolutions. Et en tout cas, moi, je me dis clairement dans les textes.